Le cancer est un ensemble de maladies caractérisées par une croissance anormale et une augmentation du nombre de cellules dans le corps. Cela se produit lorsque les cellules perdent leur capacité à contrôler leur division et leur croissance de manière normale. Les cellules cancéreuses se divisent rapidement et peuvent former des mâts. Nous avons souvent entendu parler du cancer et de son impact significatif sur les personnes. Saviez-vous qu'il existe de nombreux types de cancers? Oui, je suis familier avec le sujet. Le cancer peut toucher n'importe quelle partie du corps et nécessite différentes méthodes de traitement. C'est vrai, le cancer n'est pas une maladie unique, mais un groupe de maladies caractérisées par la croissance anormale et rapide de cellules. Comment peut-on prévenir le cancer? Il existe de nombreux facteurs qui peuvent augmenter le risque de cancer, tels que le tabagisme, l'exposition aux rayons ultraviolettes et la consommation d'aliments riches en calories. La prévention peut être réalisée en adaptant un mode de vie sain. Et comment traite-t-on le cancer si il est diagnostiqué? Le traitement dépend du type de cancer et de son stade. Il comprend généralement la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Parfois, les trois sont utilisés ensemble pour augmenter les chances de guérison. Merci pour ces informations. Le cancer est vraiment un sujet important qui doit être sensibilisé. Absolument, nous devons soutenir la recherche et la sensibilisation au cancer pour garantir un diagnostic précoce et augmenter les chances de guérison.